Fait que c'est ça, ici c'est la cuisine, c'est chez moi. Là, il y a mon salon. Qu'est-ce que vous faites là? Faut qu'on te parle. Qu'est-ce qui se passe? Ok, regarde, avant de commencer, je veux juste que tu saches que, mis à part Alex, qui t'a eu la face, on est tous tes amis puis on veut ton bien. Faut que t'arrêtes de vlogger, Julien. Puis comment je vais faire pour me valider à travers le regard des autres? Hein? C'est moi qui ai dit? Pas le choix. Vas-y, please. Alright, mène tes poches. Vois-tu un peu ce que je veux dire? T'es nul. Tes vlogs sont poches. Tu mets quelque chose en ligne, personne ne le regarde. Je parle pour tout le monde, je pense. Surtout pour Alex, parce qu'il t'a eu. C'est pas ça que mes 10 000 abonnés diraient, en tout cas. Tes 10 000 abonnés, c'est juste parce qu'ils pensent que t'es Ed Sheeran. Ah, parce que t'es où? Écoute, Thomas, c'est un peu délicat, mais... En fait, tout ça, c'était organisé pour te faire une intervention à toi. Hein? Wow. Thomas, t'es un fuckboy. Qu'est-ce que tu veux dire? On est en 2017, faut vraiment que tu commences à respecter les filles. Ah, mais Julien, comment je suis supposé faire pour compenser pour mon petit pénis? Faut que t'acceptes que t'as un petit pénis, Thomas. Vous pensez tout ça, vraiment? Même Alex pense ça. Même Alex? Big time. Regarde, c'est un peu gênant. Je pensais pas que ça allait virer de même. Comprends-tu, mais... Ok, regarde, c'était une intervention pour toi depuis le début, ok? Quoi? On est là aujourd'hui pour te dire que t'es trop un bon gars pis ça gosse. Hein? Ça veut dire quoi ça? Alors, regarde, t'as eu une date l'autre jour avec une fille. Hein, tu l'as rappelé 3 fois après pour t'assurer qu'elle était pas triste parce que t'as pas donné suite. Ouais, pis? T'as envoyé des fleurs à son bureau, Julien. Tout le monde fait ça. T'as appelé sa mère un mois plus tard pour faire un debriefing, t'assurer qu'elle était correcte. Classique. Regarde, c'est trop. Comprends-tu, t'es trop un bon gars. C'est creepy, man. C'est legit, c'est creepy. C'est vraiment creepy. C'était... Alex, bon mot, man. Écoute, Thomas, c'est un peu délicat tout ça, mais... En fait, tout ça, c'était vraiment juste une intervention pour toi. Faut vraiment que tu te laves les cheveux avec du shampoing. Wow. C'est la base, man. Bon, regarde, Julien, tu vois, c'est une intervention pour toi. T'es laid. Faut que ça arrête. Pourquoi les canards se tapent Montréal-Mexique chaque hiver? Faut vraiment que t'arrêtes de te briser les bouteilles sur la tête, ok? Ça a-tu déjà réglé quelque chose? De toute façon, Thomas, je pense qu'il est temps qu'on arrête de niaiser. On sait tous les deux pourquoi on est ici. Il est temps que la gang, man. Yeah. You're one of us. Allez, les gars. Cactus, faut vraiment que t'arrêtes de faire de la photosynthèse. Faut que ça arrête, c'est notre oxygène à nous, ok? Puis ça nous affecte plus que tu le penses. Surtout, surtout Alex. Je pense que t'as un petit mot pour Cactus. Ouais. Si tu veux, je suis notre mot. Ouais. Sois fort. Quand des cellules me prennent mon air. Puis... T'es capable. Non, je suis pas capable, Julien, je suis désolé. Je suis désolé, regarde. Qu'est-ce que tu me fais faire? C'est correct, Alex, là. Fier de toi? La photosynthèse crée de l'oxygène. Vous êtes vraiment une bande de cons. Wow, t'as vraiment raison, Cactus. Merci pour tout. Allez! Les deux boys en appart, ils se font des farces. Les deux boys en appart, ils saillent la face.